jeudi 28 novembre, dans un de mes derniers vlogs, je vous disais que j'avais été invitée par Chambord en avant-première au niveau des illuminations et j'étais pas encore certaine d'y aller. Et ben j'y vais, c'est le jour là. Il est 9h14. De base, l'invitation comprenait le fait qu'on nous emmène de Paris à Chambord, il y a à peu près 2 heures. Mais comme moi j'habite à 1 heure, c'est un petit peu ridicule de moi aller sur Paris. Le soir, retourne à Paris pour... Enfin, voilà. Donc j'y vais, moi j'ai à peu près 1 heure de route. Il est 9h18. Je crois qu'il faut être à 10h45. Enfin, les gens de Paris arrivent. Alors quand je dis les gens de Paris, la presse, des influenceurs... J'appréhende un petit peu parce que voilà, c'est l'inconnu. Je ne sais pas qui je vais rencontrer. À tel point que j'ai fait une petite insomnie. Ça faisait longtemps. J'espère que je ne vais pas trop le payer dans la journée pour pouvoir profiter un maximum des choses. Mon look, très simple. Petit haut blanc, un peu blanc cassé. Mon chignon qui tient. Il tient bizarrement, ouais. Et jean. Allez, je crois que je suis arrivée après 1 heure de route. Oh, il est magnifique. Bon, ben voilà, showtime. Ah oui, je vous ai dit que c'était pour les illuminations, mais c'est surtout les décorations, et notamment intérieures. Les illuminations, ça sera à partir de 4h30, mais je ne sais pas si je vais rester. Il y a quand même, je vous dis, 1 heure de route, et moi, je ne vois pas des masses rouler la nuit, c'est pas mon délire. Je vais voir. Je me mets à l'abri parce qu'il pleut. Il semblerait que je sois la première arrivée. J'espère qu'il va arrêter de pleuvoir quand même. Ça fait drôle qu'il n'y ait personne. Voilà, de plus près. Ah, c'est très perturbant d'être toute seule à Chambord, s'il vous plaît. C'est quand même un privilège. Par contre, je ne sais absolument pas où aller. Il est déjà 11h. Ok, je crois que j'ai repéré l'entrée. Ok, c'est bon, j'ai une invitation. Caroline Rouxel. Là, on va bientôt vous accompagner bah, super. Jusqu'à la salle. Merci. Je comprends. Merci déjà de m'avoir invité. De rien, de rien. Il m'a expliqué que le bus avait eu un petit peu de retard sur Paris. Il a dû y avoir un accident. Donc ça va décaler d'une petite demi-heure sans doute. Puisque là, c'est vrai qu'il n'y a pas encore énormément de monde. Visiblement, on va avoir le mot du directeur du château. Et par contre, j'ai mis mes jolies boots là. J'ai plus l'habitude de marcher à talons. J'ai l'impression qu'ils sont en train de préparer des tote bags. On va monter voir le deuxième. Je pense qu'il y a un petit décalage avec ce qui s'est passé sur l'autoroute à Paris. J'ai fait connaissance. Bonjour. Donc toi, c'est Loire... Attends, My Loire Valley, c'est un média. Je m'occupe de tous les décors et événements de notre établissement. On a encore le privilège de décorer Chambord. Donc là, en fait, ce sont les maîtres fleuristes qui ont réalisé toutes les créations là, pour la décoration. Ils ont voulu quelque chose d'assez contemporain, avec un sapin un peu déstructuré, on va dire, qui n'est pas tradi. Tout ça a été fabriqué et réalisé par les jeunes, c'est-à-dire tous les écaillages qu'on voyait en feuille ont été faits par les apprentis. Du positionnement des fleurs, du collage des voûtes, tout a été fait par les apprentis en travail, qui est fait de minutie et de recherche par le jeune, le côté miroir avec la période du faux, des espaces avec des cabochons. Pareil, tout dans les teintes qui se rapprochent de la cheminée. On revient très à la mode de ces tulipiers. Au XVIe siècle, on se battait pour des tulipes. Les oignons de tulipes étaient très prisés. Et les gens qui s'endettaient complètement pour ces oignons de tulipes. On est dans l'appartement de la reine. L'intérêt, c'était de favoriser encore plus le côté bleu sombre. L'impact, c'est toujours un endroit central. Donc là, c'est encore une nouvelle salle. Apparemment, il y a un photomaton, voilà, pour des petits souvenirs. Chambord 360. Après, on se retrouve dans la salle de tout à l'heure à 13h15 pour le cocktail. Et carrément avec une animation. Ah, c'est sympa. On recommence. Si, c'est excellent. Bon, là, j'ai fait une bêtise, on recommence. Allez. Attends, ça va, je vois quand même, ouais. Ça, ouais, parce qu'on change carrément de... Alors, moi, j'ai fait le photo boost, c'est plutôt... Attends, ah voilà, ça c'est mon photobus. Donc là apparemment on a quartier libre jusqu'à 13h15. C'est elle, hôte de Tommy Travel. En fait, elle travaille avec son mari Romain, qui est lui photographe et qui propose des shootings photos où il t'explique comment bien se positionner, le côté marketing, c'est hyper bien. Ils font Paris et puis ils voyagent un peu partout et mettent en avant les lieux. Magnifique, hein. Ça te va très très bien. Merci. Ah ouais. Ça vaut le coup de geler. Ouais. Ouais, du coup, vous avez mis moins 3 heures hein, en bus là ce matin. Ben nous, c'est pareil en fait. 3 heures. Ouais.
Donc là, ça y est, elles sont toutes arrivées aussi, les collègues. Elles ont fait un effort vestimentaire. Hein. Ouh, mais ça m'a l'air très beau tout ça. Il y a même des huîtres. C'est le petit message du directeur de Chambord. Désolé d'ailleurs de ne pas vous accueillir sous la neige. Vous auriez vu cette féerie. Et une grande fontaine de chocolat. De l'autre. Elle a deux mois. Un petit escargot. Bonjour, Nick. Vous allez manger le château. Ils sont en train d'installer des petits desserts. C'était très très bon, les petits fours salés et sucrés. Et on va faire des ateliers. Là, c'est un atelier apparemment. Carte de vœux. Ah d'accord, ça c'est les éléments qu'il va pouvoir mettre. Vous agencez comme vous voulez. Vous choisissez la couleur du ruban qui va le mieux avec votre sapin et vous repartez avec un souvenir Chambord. Mise en abîme. Quelqu'un est diplômé. Voilà, ça c'est ma petite réalisation. Là on est passé à l'atelier chocolat. D'accord, il faut choisir notre chocolat, on va peindre du sur le chocolat. Je vais prendre ça. Ouais, donc c'est le chocolatier Max Vaucher, et voilà, c'est une institution. Voilà, c'est écrit ici, Max Vaucher. Donc c'est du chocolat coloré avec du alors, colorant ça, naturel. Alors ça non, parce qu'on ne le verra pas. C'est ça. Ouais, mais ramener le chocolat là, ça ne va pas se tenir. Hein. Et après, bah, vous faites... Ah, mais il y a une autre nuance de rose là. Oui. C'est beau, ça me plaît bien ça. Voilà, mon œuvre d'art que je vais pouvoir ramener à la maison. Et là, on va passer. Waouh, c'est beau, l'atelier couronne de Noël, c'est magnifique. Mais moi, je veux faire ça. Ah, c'est trop beau. Le nœud toujours vers vous, parce que ça, ça suspend. D'accord. Vous avez des cavaliers devant vous. Cavalier, c'est ça, tu vois, pour planter. Ah, ça va? On pose nos couronnes là et puis on va continuer la petite visite. Comme ça, je fais mon contenu en fait. Ouais, bah pareil. De la symétrie de cet escalier, du côté de l'aile de la chapelle, la même chose. Là, nous allons dans des parties privées du château qui ne sont jamais ouverts au public. Oui. Très bien. C'est bon, j'ai une confirmation. Ah non, j'aurais dû m'en douter. Dépôt lapidaire. On voit que c'est une journée presse. Hein. Ouais. Ça dégaine. Hein. Ça dégaine. Il y a une ligne infinie, mais qui s'arrête entre guillemets en haut de cette fleur de lys. Où sommes-nous ? Dans la chambre de François Ier. Oh ! C'est impressionnant. Dans la chambre, il y a une odeur, il y a une ambiance. Et... Wow. Devient en fait le lever des papes par délégation. So the thing is, see how the selling is. Ah, ça commence à s'éclairer. Ah, c'est beau. Escalier. C'est là où on était en fait. 4h20. Là, ça va fermer au public pour justement la partie illuminée privée pour nous. C'est magnifique. Waouh. Splendide. Bah non. Regardez le coucher de soleil. On dirait une aquarelle. Qu'est-ce que c'est beau. Hein? Ouais, c'est Botticelli. Deux œuvres, peintre italien. C'est quand même fou. Hein. Je suis assoiffée, moi. Tu veux de l'eau? J'ai de l'eau. Non, il est parti voir s'il peut nous en trouver. Mais j'ai de l'eau. T'as pas l'impression d'avoir le château que pour toi, là? Si. C'est énorme. Je commence, là. Oui, bah là, on est tous décalqués. Oh, hein. Là, c'est une autre perspective, déjà. C'est beau. Dégustation de vin. Bon, là, je vais éviter. Hein. Une heure de route, après, ça va pas le faire. C'est des vins de Chambord. Ah oui, tout à fait. Ouais. Ah ouais, tiens, très bien. Tu veux? Ah oui, je veux. Ah, ça, putain, ils sont beaux, les verres. Ah, ok. Mais comme le vin il est bon, ouais. Non, c'est plutôt... Alors là, vous êtes prêts? On prend plein la tête. Ah, je pleure. Non, en fait, c'est bon, en fait. Ah, purée. Est-ce que c'est possible une telle merveille? Boire un verre de vin à Chambord. On n'est pas des privilégiés là? Ah, si.
J'aurais aimé me balader avec un verre de vin aussi, moi, dans Chambord. Alors en photo, ça rend pas terrible. Pas pareil, hein. Ouais, le scintillement, je crois. Bon, ouais. Là, on a vraiment tout le château. Les filles, elles font leur TikTok. Ouais, là, t'es centré. Vas-y. On aurait dû mettre des robes. Oui, mais c'est ça, rouge. C'est beau. Il y a le bus des Parisiens qui arrive. Et nous, ben on va au parking en fait, chercher notre voiture. Attends, je vais faire une dernière petite photo de là. C'est pas vilain aussi là-bas. Et là, si tu veux prendre devant. Ouais. C'est quoi ce code? Ah, c'est bon. Je serais bien rentrée en bus quand même. J'ai la flemme de rentrer. T'as combien toi, tu m'as dit? 1 heure en gros. Ouais, ben moi aussi. Admettons. Mais il y a écrit P comme ça. C'est peut-être par là au final. Oh non. Attends, là c'est par là. Ah oui, c'est par là, c'est bon. Vous connaissez. C'est le parking de vélo, ça. Hein? C'est un parking de vélo. Putain, on est pas bon. Bah non, on n'est pas bon. Je mais c'est je sûr, veux... c'est pas la bonne entrée. Tu veux dire qu'en fait, c'est il faut qu'on se retape tout là? Ouais. Bon, non, j'ai enfin trouvé ma voiture. Par contre, je ne sais pas comment sortir, c'est galère. Mon GPS me dit n'importe quoi là. Tournez à gauche. Dans le parking, puis tournez à gauche. Puis tournez à gauche. Ok, il va me rendre fou. 19h40. Je suis rentrée après une bonne heure de route. Pas évident, vraiment, je vois pas grand chose. Mais vraiment, je suis tellement contente d'être allée. J'ai fait de super rencontres. La sortie presse, c'était ouf. Il y avait alors beaucoup de médias, hein, beaucoup de presse, beaucoup de. Vous avez vu, de journalistes. Pas mal d'instagrammeurs, d'instagrammeuses, de grosses instagrammeuses. Au niveau YouTube, bah, y avait moi, il y avait deux gars aussi, je crois, genre travel vlog, mais après, je crois pas. C'est cool qu'ils m'aient invité. C'est cool, hein? Maman, elle était dans un sato. Ah, mais attends, faut que je vous remontre mieux. On me reconnaît un peu, hein? C'est joli comme tout. Botticelli. Tel que vous me voyez, déjà c'est le lendemain. Je suis éclatée. J'ai passé toute ma journée, il est 16h24, à faire du montage, donc du vlog que vous êtes en train de regarder. Sur Insta aussi, j'avais des posts à faire. Enfin bref, j'ai bien bossé. Et je voulais pas couper comme ça. Il fallait que je vous reprenne, surtout que je vous avais dit que j'avais deux, trois petites choses à vous montrer. Ma couronne, j'ai regardé rapidement. J'ai l'impression que dans le transport, c'est un peu comme le chocolat. Elle a un petit peu morflé. Ouais, il y a des éléments qui sont au fond. C'est pas grave. Elle reste quand même très jolie. Hein. C'était une super idée de proposer ça comme atelier. Dans le tote bag, nous avions... Ah oui, bah ça c'était le dossier de presse qui est super bien fait. Et, alors attention, ça m'a réveillée. C'est une... Je crois que c'est... Calme-toi. C'est une boîte à Bram. Et je crois que c'est une exclusivité spécialement à Chambord en fait qu'on la trouve. Je fais gaffe parce que à peine tu l'inclines, ça part. Hein. C'est très mignon. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Je ne retrouve pas. Il me semblait qu'il y avait autre chose. Je ne sais plus. Ben, je ne sais plus. Bon. En tout cas, je vais arrêter maintenant ce vlog. Et j'espère vraiment que ça vous aura plu autant que moi. Et je vous laisse avec cette tête de fatiguée. Je vous dis donc à lundi pour la suite des aventures. Ciao!